Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là les gars, c'est une vidéo où je vais tout présenter, toutes les nouveautés et les réductions de cette semaine sur GTA 5 Online les gars. Du coup voilà, en tout cas un grand merci à vous tous pour les 8200 abonnés, c'est juste énorme les gars. Go les 8300, je compte sur vous. Du coup les gars, pour commencer cette semaine, du coup il y a eu la nouvelle voiture, la Grottier Furia, qui au prix de 2 700 000 $, c'est vraiment hyper cher. Du coup je l'ai déjà fait en vidéo ce matin. Du coup pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas en tout cas à la voir, ça me ferait excellent plaisir, et à lâcher le petit pouce bleu. Du coup sur le podium cette semaine, du coup c'est le véhicule là, Ardent. Du coup c'est un nouveau véhicule qui est sorti cette semaine aussi, qui est sur le podium. Du coup pour ceux qui la veulent, bah n'hésitez pas en tout cas à tourner la roue pour pouvoir vous l'acquérir, d'accord. Du coup vous devez aussi, si vous vous connectez, vous pouvez débloquer le motif, le décoration de Noël pour la Ardent, d'accord. Et vous pouvez débloquer aussi un pyjama, d'accord. Donc il faut juste vous connecter et vous pouvez débloquer deux trucs. C'est quand même cool de la part de Rockstar, d'accord. Donc aussi cette semaine, donc vous avez la course contre la montre qui se trouve à Vinewood Hills. Vous avez la course contre la montre RC Bandito qui se trouve à Cano de Vespucci. Vous avez la course premium qui se trouve à Senora Freeway, ok. Du coup passons directement aux réductions. Du coup vous avez, sur le site Legendary Motorsport, vous avez la Tesseract qui est au prix de 1 695 000 $ et qui est à moins 40%, d'accord. Du coup passons directement sur le site Warstock. Du coup vous avez la Deluxo qui est au prix de 2 400 000 $ et qui est à moins 30%. Vous avez le Truster qui est près de 1 650 000 $ et qui est près de, qui a à moins 40%. Vous avez la Strongbird qui est près de 1 437 000 $ et qui a moins 40%. Vous avez le véhicule anti-émeute qui a 1 410 000 $ et qui a moins 40%. Vous avez le Akula qui est près de 1 671 000 $ et qui a moins 40%. Vous avez le barrage qui est à 957 000 $ et qui est à moins 40%. Vous avez l'APC qui est à 1 395 000 $ et qui est à moins 40%, d'accord. Du coup ça c'était tous les véhicules qui étaient en réduction. Du coup passons directement donc au bâtiment. Du coup vous avez le hangar qui est à moins 50% sur, bah, vous avez moins 50% sur tous les hangars, d'accord. Vous avez moins 50% sur tous les QG de bikers, ok. Vous avez moins 50% sur tous les complexes, ok. Vous avez moins 50% sur tous les bunkers et vous avez moins 50% sur tous les bureaux de PDG. Franchement c'est une bonne semaine, il y a beaucoup de réductions, du coup vous pouvez en profiter un maximum. Du coup malheureusement il n'y a aucune activité en double RP et en double dollar, donc franchement c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça, car normalement tous les jeudis il y a au moins une petite activité en double RP et en double dollar, et là il n'y a aucune activité, c'est dommage. Du coup, passons directement donc, aux tenues et aux masques de cette semaine. Du coup, c'est parti, let's go. Du coup, là, on va commencer par les tenues. Du coup, vous allez sur l'onglet tenues festives et vous allez voir qu'il y aura plusieurs tenues de festivité bah, pour Noël. C'est des petits pyjamas. Regardez, c'est vraiment très sympathique. Il y en a plusieurs, du coup, vous avez le choix. Du coup, voilà. Du coup, vous avez aussi les tenues de Père Noël. Regardez, hop, je fais rond. Là, vous allez sur tenues de Père Noël. Regardez, il y a costume de Père Noël dur à cuire, costume de Père Noël sale et costume de Père Noël dégoûtant. Franchement, c'est pas mal. Du coup, passons directement donc au masque. Du coup, là, vous allez sur l'onglet festivités dans les masques. Et regardez, il y a plusieurs masques pour Noël. Regardez, il y a des masques de hockey, des masques de grand-mère. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs sortes de masques. Du coup, il y a des masques de lutin et des masques de mère bizarre. Il y a des dindes aussi, des masques en dinde. Après le gars, c'est le même masque chaque année, ça change pas.
C'est dommage qu'ils rénovent pas les masques ou les tenues. C'est toujours la même tenue, toujours le même masque. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, franchement, c'est pas mal pour l'événement Noël qu'ils font ça et tout. Moi, ce que j'attends, c'est la neige. Franchement, la neige. La neige, je pense qu'elle arrivera vers le 23 ou le 22 décembre. C'est 2 jours ou 3 jours après à Noël, à chaque fois. Tous les ans, du coup, voilà. Cette semaine, vous avez aussi des chapeaux festifs. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs bonnets de Noël, simplement. Il y a 41 possibilités de choix. Des casquettes, des bonnets, c'est pas mal, franchement. Du coup, voilà. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, les gars. Au go, les 8300 abonnés, je compte sur vous. Je sais pas si c'est possible d'avoir les 9000 abonnés avant la fin de l'année. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao! Bah, je...